Et yop tout le monde, c'est Ranor et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur contrôle. Je suis sur une nouvelle session de jeu. J'ai retrouvé mon frère qui m'a confié une mission, qui m'a donné des indices sur ma prochaine mission, on va le dire plus tôt. Mais je vais pas faire m'en occuper maintenant, j'ai deux missions secondaires à faire. Alors, les deux missions secondaires que j'ai à faire, c'est dans un premier temps, trouver tous les mecs qui ont été contaminés, les vieux amis du d'Arish, qui sont probablement contaminés par le Hiss, même si on n'en est pas sûr. À mon avis, ils sont morts et contaminés par le Hiss, on doit trouver leur sac. C'est ça, trouver les 6 sacs appartenant aux anciens équipiers d'Arish, voilà. On doit faire tout ça. Et il faut aussi que j'aille aider le mec qui est de corvée de frigo. Donc on va s'occuper de tout ça dans cet épisode. Enfin, au moins un des deux. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Déplacement rapide. Donc moi, ma quête, elle est là-dedans. Oh, y a beaucoup de gens. Créa de pierre noire. J'ai aussi une quête là-bas. Ah, j'ai pas de TP directement là-bas. On va commencer par la carrière de pierre noire. Puisque c'est isolé du reste. Voilà, donc j'ai dit c'est isolé du reste. Ah merde, il y a encore les machins. Je pensais que ce serait temporaire, mais visiblement non. Ah oui, je peux voler maintenant, c'est vrai. Ah oui. Comment je fais pour sprint? Comme ça. Très bien. J'irai pas jusqu'à dire que la situation est sous contrôle, étant donné que j'ai perdu quasiment toute ma vie, mais... Il tire sur... Putain, il tire sur ça. Donc je peux pas les régénérer pour chercher Voilà, je voulais chercher de la vie là-bas, mais je peux pas vraiment. Ils sont invincibles les mobs, pourquoi vous les... Ah, je suis tout con, moi j'ai sauté trop haut. Hop. J'ai sauté trop haut. Bon, lui ça doit être probablement le mob qu'on doit tuer. Voilà, je pense que c'est ça. Non? Mince. Je me souviens plus des touches. Voilà, le temps que je me reprenne. Il me tire dessus là, il tire pas sur la bouboule. Voilà, voilà. Là, la bouboule qui est là-bas. La bouboule qui est partie, évidemment. Très bien. Oui, alors ensuite. Merde. Blanc, blanc, blanc. Évidemment, je tombe à côté de ce mob. Bon. On se rappelle hein, du temps que j'ai passé à essayer de d'assembler péniblement tous les machins sur place. Ils vont se faire buter par les mobs. Ils vont se faire buter, évidemment. Évidemment. Hop, hop, hop. Voilà. 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 Qu'est-ce que... Mais enfin... Il y en a même là-haut de ces trucs-là. On va pas s'en sortir. Non. Wow, 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 wow. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Je maîtrise pas encore bien le vol. Hein. On voit qu'en situation de combat, je... Je sais pas si je panique, mais... Je me retrouve très facilement à l'enlever. Alors qu'est-ce que je dois faire ici précisément? Là-bas ils disent qu'il y a un mec, enfin un sac. Quelque part par là. Il a pu y avoir deux mobs, là il a pu y avoir que les gros machins invulnérables. Ça fait du boom, ça fait boom. Qui fait boom? Toi tu fais boom. Voilà. Bon alors le sac il est où?
Vaincre Guy, hasard. Je me plante pas, il y en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah il est où alors ce qu'on l'a? Ah merde. Moi c'est Hazard. Maintenance. Slash traitement de la pierre noire. Ah non, c'est Vinc Thompson. Maintenance, carré de la pierre noire. Thompson. Remarque, ils disent carrière de la pierre noire, mais c'est vague la zone. C'est peut-être pas juste c'est la carrière, c'est peut-être aussi tout le reste de la zone. On va fouiller toute la zone. On va aller par là-bas. On va fouiller l'intégralité de la zone. Maintenant qu'elle est infestée de putain de mobs à la con qui sont invulnérables. Bah oui, on adore ça, les mobs à la con invulnérables. Vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas, comme c'est curieux. Remarque, maintenant que je peux voler, ça va beaucoup mieux. Hop. Hop. Là, rien. Très bien. Pas de Thompson. Putain, mais... Ils sont combien? On peut aller plus haut, pensez? Attends, on va essayer. Voilà. Voilà. Un passage secret, j'ai l'impression. Qu'on ne peut découvrir qu'en volant. Je crois. Vu là où c'était, à mon avis, c'est ça. Hein. Il y a un coffre. Putain, c'est cool de voir qu'il y a des trucs cachés comme ça. Enfin, c'est cool et pas cool, parce que du coup, ça veut dire que je dois me retaper l'intégralité de la zone en fouillant bien chaque petit truc. On a quoi? De la radio. Pam, pam, pam. Maintenant que je peux voler, il va vraiment falloir tout surveiller. Et du lore, évidemment. Darling. Darling, personnel dimensionnel, bureau fédéral de contrôle. La recherche dimensionnelle va tout changer. Le travail que nous allons accomplir sera brillant, dangereux et révolutionnaire. Notre personnel devra être à la hauteur du défi. Voici ma présélection. Carla Vogue, Lorenzo Dune, Hubertan, Edna Pierce, Beth Harrington ou Abe Lewis, si leur département peuvent se le permettre. Évidemment, le choix d'Emily s'imposerait. Mais qui sait ce qui pourrait sortir des portes que nous ouvrirons? Il vaut peut-être mieux qu'elle se trouve là où les risques seront moindres, mais ça ne lui plaira pas. Il y a peu de chances qu'elle rate un nouveau département de recherche secret. Elle est trop intelligente pour ça. Emily, c'est la meuf qui me conseille depuis le début, et ils disent qu'elle est trop intelligente pour rater tout ce qui se passe dans le bureau de louche ou pas. Donc peut-être qu'elle me cache des choses, cette Emily. Bon, toute une zone cachée dans la carrière en fait. Hop. Voilà. Il y a quoi d'autre ici? Level 5, on a le level. Et les mobs en bas, c'est quoi? C'est qui? Bon, j'ai pas envie de sauter pour voir. On va d'abord fouiller la zone, on verra après. Parce que tout ça, c'est pas sur la map. Hein. Enfin, si, là, c'est sur la map du coup, mais. On se retrouve où là? C'est quoi ça? Chambre du fourneau. Ah oui, remarque, il y avait un passage que j'avais pas exploré dans le fourneau. Le fourneau, c'est là où j'ai brûlé les machins. Il y a un passage que j'avais pas exploré parce qu'il fallait voler, je crois. Ah bon, ça? Je devrais pouvoir trouver les autres. Ah, il est mort. Il s'est fait buter par... Je m'en suis pas occupé du tout. Il s'est fait buter par les orbes. Ok, donc par là, on arrive au fourneau, c'est ça? Ouais, ça va être ça. Là où j'ai brûlé les machins dans le truc géant. Si je me plante pas. Putain, il y en a des coffres, hein, la vache. Voilà. On peut ouvrir la porte de ce côté-là, très bien.
Et là, rien. Et voilà, c'est bien là. Effectivement. D'accord, très bien. Bon, on va faire demi-tour pour retrouver. Mais du coup, ouais, c'est bien et pas bien à la fois, parce que ça veut dire qu'il y a plein de zones cachées qui peuvent maintenant être découvertes derrière moi. Ça veut dire que j'aimerais taper intégralement chaque pièce que j'ai fouillée. Ah, parce qu'entre les portes fermées, les machins en l'étage, etc. Hop. Voilà. On est où là? Il y a un coffre ici aussi que je n'ai pas fouillé. Donc je suppose que je suis encore en hauteur. Papapapa. Surtout le lore hein, qui m'intéresse, je vous avoue. Et là on arrive où? La carrière de pierre noire. En fait, d'accord, je suis arrivé par là. Et en fait, c'est moi, j'aurais pu fouiller en explorant par là. Là, il n'y a pas besoin de voler. Pour aller là-bas, peut-être que si, effectivement. Mais si on continue, pas besoin de voler là. Là, il y aurait pu y avoir le coffre. Là, on peut y aller en escaladant. Ah, par contre, pour traverser, ouais, on aurait été obligé de voler. Bon. Bon, bah, c'est sympa. Hop, on va aller ici et on va continuer. Déplacement rapide. Ça de l'Atlas, vas-y, c'est parti. Waouh, waouh. Le mec il pop devant moi comme ça en mode coucou. En mode de coucou, c'est moi. Tiens, je vais t'envoyer une lampe dans la bouche, tu vas moins faire le fier. Boum, une lampe. Boum, un autre truc, je sais pas ce que c'est. Tiens, encore un truc. Et puis un dernier. Il s'est pris le mur. Hop. Merde. Enfin, je lui ai balancé 4 fois la même table sur la tronche. Voilà. Moins 2. Bon, lui, c'était assez rapide. Il était pile sur le TP. Hein? On ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Je sais même pas où je suis précisément. C'est pas grave. Hop. Ensuite, on enchaîne la vendetta. Là, pour convertisseur d'énergie. Je suis une tueuse au service de la justice. Est-ce que si on vole, là, on prend pas de dégâts? Genre si j'avance, là. Si, ça, non, on en prend quand même. Donc là encore, il y a aussi ces salles-là à fouiller du coup. Parce que ces salles-là, je peux pas les fouiller pour le moment. Mais je pourrais sûrement les fouiller plus tard. Bon. Où qu'il est le méchant? Là-haut. Je veux pas aller si haut, attends. Hop. Voilà. Hop. Hop. Rémus. Celui qui est recherché par les détraqueurs, c'est ça? Pardon. Ensuite, on va continuer par la ventilation. Non, c'est la salle de contrôle, ça. Je crois qu'il y a personne à la salle de contrôle. Salle de commandement, on s'en fout. Non, il faut qu'on aille à la ventilation. On va prendre le... J'allais dire le feu pour cette épée, mais c'est pas des feux, c'est des points de contrôle. Ah, bordel. On va pas ouvrir la porte comme ça? Non, évidemment. Évidemment. Hop. Par là. Par là. L'autre côté, d'ailleurs. Hop. Hup, hup, hup. Il nous en reste 3.
3 à Auxir avec mon arme. Je suis la mort. Pardon, excusez-moi, ça me fait rire, les traquer comme ça et les éliminer comme des chiens. Pardon. Seul Atlas, traitement de la pierre noire. Ventilation, c'est pas par là la ventilation? Ça mène où ça déjà? Hop. Convertisseur d'énergie du RSN. Non mais je suis bien en haut là. C'est pas là, c'est de l'autre côté, l'autre porte. Là. Ah! Traitement de la pierre noire, ça doit être ça. Je crois, ou alors j'ai mal lu. Ah non, c'est de là d'où je viens. Putain, mais je suis vraiment un fils de pute en fait. Je suis vraiment un fils de pute. Ah, c'est l'autre porte là-bas, putain, mais. On s'en sort pas, hein. Et non, l'autre c'est la carrière de la pierre noire. Non? Ah non, c'est de l'autre, c'est à l'opposé. Où est-ce que je me retrouve? Je suis paumé, putain. Ah, puis les portes avec ces machins là. Ah, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je tourne en rond. Voilà. C'est la porte à gauche, du coup. Voilà. Et là, je suis déjà allé 3 fois et je n'ai rien trouvé. C'est bien ça. Ouais, non, c'est clairement pas là. Donc, c'est ventilation. Attends, on va y aller par là. C'est pratique de voler, hein. Y a pas à dire, c'est pratique. Là, c'est le truc de maintenance, avec laboratoire, enfin, office du concierge et tout le merdier. Et par là, peut-être. Hop. Oula. Hein. Qu'est-ce que... Oui, c'est l'ascenseur. Carré de pierre noire, salle de commande, centrale éternelle. Pourquoi carré de pierre noire? Bon, c'est pas là qu'on veut aller non plus. Convertisseur d'énergie, ben non. Mais où quelle est la ventilation, putain? Qu'ils ont foutu la ventilation. Bon. Allons, pompe de refroidissement. Ah, quelle histoire. Le mec, il est paumé dans une zone qu'il a déjà fouillée. C'est quand même quelque chose, cette histoire. Bah, c'est ça, non? Pompe refroidissement, c'est ça. Mais on peut pas y aller par un ascenseur. Ils disent qu'il y a un ascenseur là. Remarque, c'est peut-être pas pour les pompes de refroidissement. Merde. C'est peut-être pas pour les pompes de refroidissement, j'allais dire. Je regarde pas la map forcément, je suis dans le vide, je tombe. Bravo Aura, belle performance. Bon. Bon, ventilation. J'y suis là, la ventilation. Ah mais attends, tu vas me dire que c'est là? Je me sens très con. Ah mais d'accord, c'est tout, on a tout fait exploser, tout le monde est mort. Je me sens très con, je vous avoue. Mais genre, sur une échelle de 1 à 10, je suis à 12, vous voyez? Je me sens très très con de ce que je viens de faire. Bonjour. Ils aiment pas bonne musique. Ah, mais encore des quêtes. Et c'est pour ça qu'ils peuvent aller aussi loin. Tu récurais tout bien ou je perds réputant. Ils savent bien écouter, on peut tout dire. Ou tu peux leur chanter, ils aiment ça. Ouais, très bien, j'y penserai. Du coup, j'ai chopé 2 quêtes principales de plus. Enfin, 2 quêtes secondaires. Parler aux plantes, secteur de recherche, secteur de confinement.
On va rester là-dessus déjà. Donc c'est pas par là, on s'en fout. Très bien. Alors il nous reste traitement de la pierre noire. Donc on va aller à la salle de l'Atlas pour ça. Et l'autre, c'est pompe de refroidissement du RSN. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Là, il n'y a rien, c'est vide. Bon, eh bien, allons-y. Il nous reste les deux machins. Il y a plein de quêtes secondaires, hein. Enfin, plein. Il y a quelques quêtes secondaires. Est-ce qu'elles sont intéressantes? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Je vais les faire, évidemment. Évidemment. Mais est-ce qu'elles sont intéressantes pour autant? Je ne sais pas. On n'a pas revu de... de papillon. Pour l'instant. Hop. Oula. Plus bas. Voilà. On n'a pas revu de papillon. Donc là, c'est là où il y avait Tic et Tac. Qu'est-ce que c'est? L'escouade Charlie 7 est revenu d'une expédition dans la lisière de la carrière juste après 0500 Zulu. Pouvez-vous vous identifier et décrire l'objectif de votre expédition? Kevin Horowitz, Rupert Wells. Notre mission était de cartographier les coordonnées de la carrière G29. La mission secondaire, comme toujours, consistait à trouver un chemin de l'entrée de la lisière en maintenance jusqu'à la formation. Cette mission secondaire a été un échec. Quelle surprise! Et avez-vous rencontré une entité ou un événement non consigné lors de votre voyage dans la lisière? Non, rien. Et tu crois qu'on devrait lui parler de la sirène? Excusez-moi? Ouais, la sirène! Horowitz l'a trouvé cette sirène dans la carrière assise sur de la pierre noire. Elle chantait une superbe chanson, il était complètement sous son charme. Elle était très séduisante. Je dirais qu'elle était plus enchanteresse que séduisante. Ouais, enchanteresse. En avez-vous parlé à votre chef? Non. Parce que c'est totalement faux. Il s'est rien passé, comme d'hab. La carrière est pleine de pierres, c'est tout. Est-ce qu'on peut y aller? Bande de cons, foutez le camp. C'est troll. Ah, et tu lui as parlé de la sirène? On devrait peut-être lui dire, non, la sirène? Mais de quoi vous parlez? Elle était là, assise sur une pierre, et elle chantait une chanson envoûtante. On savait pas trop comment réagir. Mais vous en avez parlé à votre chef? Non, mais c'est parce que c'est des grosses conneries, en fait. Elle mène vers où, cette porte? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un coffre là, de l'autre côté. Ah bah, ça doit être là. Wow. Attends, on va aider Tic et Tac. Bonjour Hazard. Voilà. Non. Effectivement, pas la moindre. On n'a plus de papillons. C'est dommage que je n'ai plus trouvé de papillons. Ils sont gentils les papillons. Un peu dangereux, je vous l'accorde, mais gentils. Voilà, on ramasse ça. Hop, il nous en reste un dans les pompes de refroidissement. Hop, voilà. Débloque le raccourci, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Pompe de refroidissement. Bon. Je sais pas précisément comment y aller. Je suis allé dans la salle centrale, je crois. Par où on débouche là? Un ascenseur. Je sais pas où il va m'amener, mais à mon avis, enfin, j'espère pas trop loin de là où je veux. Bon, on verra. Les stations de pompage, on veut pas y aller pareil en vol? Non, je crois pas. C'est là où j'avais fait une quête pour la maintenance. Où est-ce qu'il y a cet ascenseur? J'aimerais bien au moins finir cette quête dans cet épisode. Convertisseur d'énergie. Ok. Ah voilà. Il restait coincé le truc. Eh ben, il y en a du monde là-bas. Oh, trois en un.
Voilà. Quelle dissidence! Pas possible de faire ça. Salle de contrôle. Encore un putain d'ascenseur! Foutez-moi la paix avec vos ascenseurs, sérieux. Hop. Voilà, par là, je pense. Voilà. Un point de contrôle. On va aller. Le but, c'est d'aller dans les pompes de refroidissement. Je peux aller chambre du fourneau. Entrée des pompes de refroidissement. Bah, c'est pareil. Go! Voilà. Et là, il y avait aussi l'entrée du fourneau. Est-ce que... D'ailleurs, je crois que l'entrée du fourneau, il y avait d'autres trucs à ramasser, non? Non, moi, je suis déjà... J'ai déjà fait le truc. Non, c'est pas ça. Je confondais. Je confondais... Voilà, s'il y a quand même un truc ici. Il y a plein de petits objets cachés quand tu peux voler en vrai. C'est quoi ça? Une télé qui fixe des flammes. Enfin qui affiche des flammes. Avec une valve, je sais pas si on peut activer la valve. Il y a un passage pour le... Attends, ça tombe. Ça. Il va y avoir moyen de passer je pense. Mode d'arme plein. Merde. Hein? Se calme. Mode d'arme plein, mode d'arme plein. On va virer tous les bleus, tous les verts. C'est parti. Bleu. Enfin, vert, 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 vert. Les blancs, évidemment. Bleu. C'est quoi le bleu que j'ai, moi? Cadence de tir, d'accord. Hop, bleu. 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 Ces modes-là, on peut pareil, hein, viser. Virer tout ce qui est en dessous de, du rang 4. Hop. Hop, voilà. Vitesse de rechargement et cadence de tir. J'ai quoi de mieux? Vitesse de rechargement du bouclier, on sent. Précision, dégâts après une élimination. Coup des munitions en lévitation. Quoi? Comment ça, coup des munitions en lévitation? Ah oui, quand t'es en train de voler, tu perds moins de balles, d'accord. Très bien. C'est quoi le... Ah putain, mais... C'est chiant que B, ça annule pas le retour. Le truc sur la map. Multimédia, qu'est-ce que c'est que j'ai? La même chose que d'habitude ou j'en ai un autre? Les squatchers. Ah bah oui, on a vu ça tout à l'heure. Ok. Hop. Voilà. Et donc, il doit y avoir une entrée. Je peux pas aller plus haut. Dommage. Et je dis, il doit y avoir une entrée. Là, vous voyez que ça descend en fait. Donc, il doit y avoir une entrée. Peut-être par là sur la gauche. Non, il n'y a rien. Par où on fait pour... Comment on fait pour y aller du coup ici? C'est bizarre. C'est bizarre, c'est louche. Pourquoi une télé qui affiche des flammes? Vous trouvez pas ça louche vous? C'est peut-être moi qui suis parano, remarque. Ça serait qu'à moitié surprenant. Je sais pas, ça sonne vraiment genre indice, tu vois. Je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Il y a une télé qui est comme ça, qui affiche des flammes. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Après, c'est peut-être moi, hein, mais vous trouvez pas ça bizarre, hein? Et là, en dessous, il n'y a pas moyen de... Non, je vois pas de chemin non plus. Hein. Non, bah non, pareil. Hein. Bon, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui suis parano. Je sais pas.
Très bien, alors on va continuer d'avancer du coup, parce que là on a perdu 3 minutes sur une télé. Bon, je sais que c'est sympa, attention, mais restons concentrés, Billy. Reste concentré sur ta mission. Mais c'est quoi ma mission? Je peux pas aller par là. Hop. Là, ça fait quoi? C'est un raccourci? Plutôt que de passer par là-bas? Oulala! Faut vous calmer, les petits bots! Vous me semblez un peu sous pression! Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un truc là-haut! Je perds de la vie quand je tombe dessus ou pas? Non, ça va. Boum! Un peu de caillasse dans la bouche. Ça te fait pas de mal, enfin. Si, du coup, ça t'en fait pas mal, mais bref. Et par là. Putain, mais il y a vraiment des zones cachées partout, c'est ouf. Tout ça, là, je l'ai pas fait. Je suis jamais allé là, moi. Et c'est là que je me dis que la conception de map est quand même bien pensée, hein. Au niveau de la verticalité. D'accord, on devrait pouvoir sortir par là pour je ne sais quelle raison. Je ne sais quel moment. Donc là, on voit qu'il y a cette espèce de champignon un petit peu partout. Peut-être que la suite de l'histoire va tourner autour de ça. Du coup, c'est possible, hein. Et je dirais même, c'est probable. Voire même, c'est une éventualité. Bref. Où il est Billy à tuer? Oula. Il était vachement rapide. Ah, c'est un papillon. C'est ça? Là-bas. Hop. Je dois lui rapporter tout ça. Ah, finalement, ils en rajoutent des papillons. C'est bien parce qu'il y en avait qu'un de temps en temps. Bon, bah, c'est sympa si vous voulez, mais. Hein, voilà. Bon, on peut se barrer par l'ascenseur pour comme ça on verra où il débouche, ça tombe bien. Ah bah attends, mais il y a encore une télé avec le. Une télé, c'est une coïncidence, mais deux. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Je sais pas si c'est moi qui suis parano, mais j'en ai jamais vu une seule et là j'en vois deux à suivre. Ou est-ce qu'elle me suit? Est-ce que ce serait possible selon vous? Ça serait logique. Si vous voulez, il y a des objets qui font plein de trucs, ce serait logique qu'une télé puisse me suivre. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans, mais est-ce que c'est juste moi qui n'ai pas remarqué qu'il y avait des télés avec ce fond d'écran de feu en train de brûler alors qu'elle n'est pas putain de branchée cette télé? Elle n'est pas branchée, on est d'accord. Et pourtant, il y a quand même plaie avec du feu. On va les garder avec moi. Ce mec, il fait une fixation sur une télé non branchée. Je sais pas, je trouve ça louche. Si je la laisse là. Attends, et si je la laisse là, est-ce qu'elle va me suivre? Tous les coups non, hein, mais. Imagine, elle me suit. Et je la revois en boucle, la télé qui me suit partout. Ce serait rigolo. Le mec il se balade, il y a la télé qui le suit tout le temps. Bon. Le TP. Qui doit être comme ce qui est par là. Ouais, salut. Hop. On va aller rendre la quête. Alors, capacité, on peut mettre un point. Ça faisait quoi? Un ennemi supplémentaire, d'accord. Et là. Ah, il faut encore mettre un point pour voir le truc. Putain. J'augmente à fond la durée de la saisie alors que je m'en saisis pas, mais c'est juste. Enfin, je m'en sers pas alors que c'est juste pour prendre ce point-là. Normalement, je devrais mettre ces points-là et là. Qui sont bien plus utiles pour moi. Mais c'est juste par curiosité en fait. Ok, bon, on peut rendre la quête. Exécutif central, c'est parti.
Ok, on va pouvoir rendre la quête de Track qu'on aura effectuée dans cet épisode. Et qu'on passe par là. Bonjour, j'ai trouvé tes potes. Voilà les poches. J'en ai trouvé 6. Elles sont toutes là, sans compter la mienne. Bon, je vais toutes les porter maintenant. Ça fait con, je sais, mais bon... Ça fait con, je sais, mais bon... Rien n'est facile avec Loïs. Je peux vous demander ce qu'il y a là-dedans? Y'a quoi dans ces poches? C'est trop tard. C'est un truc confidentiel, mais... Je peux vous dire, vu que vous êtes directrice. Bah oui, sans déc. Le bureau a entendu des rumeurs sur des loups-garous qui se réunissaient à chaque pleine lune. Comme on était des bleus, on nous a envoyé confirmer que c'était des conneries, hein? Attends, il va quand même pas me dire que les loups-garous existent. En fait, il s'agissait d'un objet altéré qui créait de violentes anomalies gravitationnelles lors de la pleine lune. On a failli se faire avoir cette nuit-là. Et donc, en souvenir, on a tous acheté des balles en argent à porter en collier, au cas où on tomberait sur un autre loup-garou. Alors pourquoi avoir démissionné? Ben, je pensais que je serais plus utile ici. Quelqu'un doit protéger les gens qui protègent tous les autres, pas vrai? Ouais, et puis ça a bien marché. Ça a bien marché. Ouais, moi aussi. Vous êtes pas la seule à être occupée. Vous êtes pas la seule à être occupée, vous savez. C'est ça. Bon, on a pris des levels. Une petite histoire de loup-garou. Alors, on va mettre, hop, le dernier point inutile qui nous donne saisir les ennemis lourds dans la santé est faible. C'est pour prendre le contrôle, c'est ça. Tout ça. Donc, on va prendre le contrôle des ennemis lourds maintenant. Très bien. On s'en fout clairement. Moi je vais juste mettre des points en santé et puis voilà, des points en santé et des points en vigueur et c'est marre. Le corps à corps on s'en fout, on a débloqué tous les autres points éventuels. Ouais bah non, il n'y a rien de plus. Hein. On va juste monter santé et énergie maintenant. Bon. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos, à me suivre sur mon compte Twitter, mon compte Twitch, à me rejoindre sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour un futur épisode du Let's Play sur Control. Allez, salut.